Harrington l'a débauché. Ensuite, plus de nouvelles. Jason Fly. Hey Fly, je pars en perme ce soir. Ne profite pas de mon absence pour me doubler. Tu m'as peut-être battu à l'entraînement hier, mais ça ne fait pas de toi un héros. Steve Roland, l'homme dont j'ai pris l'identité.
fait trop de chili. Oh, tu dors dans quelle tente déjà? La tienne. Je vais te tuer, ce cuistot. Il paraît que Mako a replanté la tente qu'il utilisait pendant la guerre du Golfe. Ça devrait te donner une idée de la couleur. Colle le micro derrière l'interphone. Personne ne nous verra ici. T'en veux une? Non, merci. Tu ménages tes poumons pour les grandes manœuvres? Ouais, j'ai hâte de prendre les armes. Ouais. C'est jamais qu'une simulation. Ouais, moi je sens qu'il va y avoir plus d'action que prévu. Messieurs, prenez place. Ici numéro 11. Est-ce que vous me recevez? Affirmatif. Numéro 3, parlez-nous. Bonsoir, numéro 1. Le président Galbraith croit toujours à la simulation d'un état de guerre. Et il vient d'autoriser l'espace à encadrer l'armée pendant les grandes manœuvres. À vous. Bien. Numéro 5. De mon côté, j'attends la liste des soutiens financiers de la cour. Numéro 9 me la remettra au Plaza demain. Son dossier militaire. Je l'ai fait disparaître du Patagone afin de bloquer l'enquête du FBI. Bien. Pour ce qui est du numéro 17, inutile de continuer la recherche. J'ai quelque chose ici qu'il va forcément venir réclamer. La réunion est terminée, messieurs. Je vous accompagne. Ce fut un privilège de vous rencontrer, colonel Macron. Il est encore plus impatient que ses hommes.
N'est-ce pas, Colonel? On ne peut rien vous cacher, Général. C'est dans la boîte. Récupère le dossier Roland si tu veux prouver ton innocence. Je ne sais pas où Mako l'a prévu d'envoyer son stock d'armes, mais on va le faire sauter.